Hello mes croqueuses, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve avec une création en rapport avec le tout nouveau film d'animation Comme des bêtes. J'ai donc choisi de créer dans cette vidéo le lapin pas si mignon que ça. J'espère en tout cas que ce moment super chou va vous plaire et on se retrouve en fin de vidéo pour le rendu. Place au matériel qu'il nous faut pour cette création, vous aurez besoin de Dotting Tools, d'outils de sculpture basique, de pinceaux, d'un patron du lapin, de pâte polymère blanche et pourpre, de gouache dont les couleurs s'affichent sur l'écran et de pastel sec. Commençons avant tout par former les yeux, puis ensuite les cuirs. On continue en découpant la forme du lapin à l'aide du patron. J'ai volontairement utilisé trois couleurs différentes pour le patron, car tout simplement le lapin sera réalisé en trois parties différentes. Créons le nez grossièrement, mais toujours proportionnellement au patron. Puis on l'intègre. Les paupières. Les pommettes en commençant avec deux boules. On s'occupe de la bouche. La queue pour laquelle on donne plus de relief. Et la même chose pour le bas du corps avec les pieds. On passe aux oreilles que l'on réalise donc séparément. On creuse et on affine petit à petit. Puis on les intègre sur le reste du corps. La suite avec les poils, et là courage les filles car cette étape est sans aucun doute la plus longue. Vous remarquerez au passage qu'une grande majorité des poils pointent vers le nez. Faites-y donc très attention pour le réalisme. On
passe maintenant à la pancarte et son message très révélateur. Repassons les lettres pour créer du relief sur la pâte. Passez-la au four et avec la pâte pourpre, créez les ficelles qui permettent de l'accrocher à son cou. Le petit nez, tellement mignon, et les dents si typiques des lapins. Et voilà, la partie sculpture est terminée, on peut donc passer à la couleur. On accentue le relief avec un gris pas trop sombre, car il faut quand même que ça reste assez léger. Et la cuisson enfin après 13 heures de travail. Un bleu clair pour le fond des yeux. Un contour en noir que l'on vient dégrader. La pupille. Et les reflets. Le rose du nez et de l'intérieur des oreilles. Puis on repasse la bouche et l'extrémité des paupières. Et enfin, les lettres. Et voilà, ce petit lapin tout mignon est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie toutes du fond du cœur de me suivre chaque semaine. Ça me donne encore plus envie de continuer et d'améliorer mes vidéos. Si vous saviez comment tellement j'ai d'idées et malheureusement pas assez de temps pour toutes les concrétiser. Enfin bref, on se retrouve mercredi prochain, même heure, même chaîne, dans la bonne humeur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci à toutes et à tous. No.